Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Heureuse de vous retrouver, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Sans plus attendre, je vous présente le plantain. Cette plante, souvent considérée comme mauvaise herbe, a bien des secrets à nous livrer. Alors si ce genre de contenu vous intéresse, likez, partagez, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti! Originaire d'Europe et de certaines régions d'Asie, le plantain était considéré comme l'une des 9 herbes sacrées par les Anglo-Saxons qui la célébraient comme la mère de toutes les herbes. Cette plante vivace, robuste et prolifique était utilisée localement pour les égratignures, les ecchymoses, les coupures, les brûlures et les affections cutanées. Elle était prise en interne pour les troubles digestifs, la toux, le rhume et les troubles gastriques. Il y a 3 espèces principales en Europe centrale. Le grand plantain, Plantago major, avec ses feuilles larges et ovales. Le plantain lancéolé, Plantago lanceolata, qui a des feuilles en forme de lance, allongées et pointues. Et le plantain moyen, Plantago media, qui se situe entre les deux. Tous se mangent et présentent les mêmes propriétés. Connu pour pousser partout, des parkings au terrain de jeu, la mauvaise herbe, plantain, est souvent considérée comme un ravageur envahissant du jardin. Cependant, non seulement elle est comestible et facilement disponible, mais elle est également utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. En fait, l'herbe de plantain contient des composés végétaux qui peuvent réduire l'inflammation, améliorer la digestion et favoriser la cicatrisation des plaies. Malgré le partage de son nom, l'herbe plantain n'a aucun lien avec le fruit plantain, qui est un type de banane. Propriétés et utilisation thérapeutique. Ses feuilles sont également composées de mucilage, de flavonoïdes, mais aussi de coumarine, de tanins, de minéraux et de vitamines. Le plantain a des propriétés anti-infectieuses et antivirales, contre le virus de l'herpès. Des études ont également montré les propriétés antibactériennes du plantain sur Staphylococcus aureus et entre autres sur Bacillus cereus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Les plantains sont utilisés pour leurs effets antispasmodiques et immunomodulateurs. Leurs flavonoïdes sont également des antioxydants qui aident à lutter contre le stress oxydatif impliqué dans le vieillissement cellulaire. Le plantain est utilisé pour ses propriétés apaisantes en cas de laryngite, bronchite, toux sèche et irritante. Les feuilles de cette plante exercent également une activité anti-allergique et anti-histaminique qui inhibe la dégranulation de l'histamine par les mastocytes. 1 peut diminuer l'inflammation. La plante contient des iridoïdes qui lui confèrent son activité anti-inflammatoire. En particulier, les feuilles contiennent plusieurs composés anti-inflammatoires, notamment des flavonoïdes, des terpénoïdes, des glycosides et des tanins. Une étude sur des rats a révélé que l'administration d'extraits de plantain diminuait plusieurs marqueurs d'inflammation causés par des lésions hépatiques. 2 peut favoriser la cicatrisation. Certaines recherches indiquent que l'herbe plantain peut favoriser la cicatrisation des plaies en réduisant l'inflammation, en bloquant la croissance microbienne et en soulageant la douleur. Dans une étude animale, l'application uniquement d'extraits de plantain sur les plaies a permis d'augmenter le taux de guérison par rapport à un groupe témoin. Les cataplasmes de plantain sont traditionnellement utilisés pour traiter les plaies. Cette plante a des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider à guérir les plaies. 3 peut soutenir la santé digestive. La teneur élevée en mucilage des feuilles de plantain, associée à leurs propriétés anti-inflammatoires, en font une herbe merveilleuse pour de nombreux troubles digestifs. En particulier, les graines contiennent du psyllium, un type de fibre souvent utilisé comme laxatif naturel car il absorbe l'eau lorsqu'il se déplace dans votre tube digestif.
Selon une revue, les feuilles de plantain peuvent également ralentir le mouvement de votre tube digestif, ce qui peut favoriser la régularité intestinale et aider à traiter la diarrhée. Une étude sur des rats a même révélé que l'extrait de plantain à feuilles étroites favorisait la guérison des ulcères d'estomac. 4. Santé respiratoire. L'une des utilisations traditionnelles les plus populaires de cette herbe était de soutenir la santé pulmonaire. Les feuilles de plantain sont riches en mucilage, qui exerce une activité protectrice et adoucissante sur les voies respiratoires. Il humidifie et recouvre les voies respiratoires d'une couche protectrice qui réduit l'irritation qui provoque la toux sèche. Des chercheurs bulgares ont découvert que les feuilles de plantain étaient efficaces contre la bronchite chronique. Contenant de la glycérine et de la pectine qui ont des propriétés adoucissantes naturelles, le plantain exerce un effet apaisant sur les poumons, ce qui aide à soulager l'inconfort et l'irritation. Le plantain aide à réduire la sécrétion de mucus dans les voies respiratoires, ce qui le rend utile dans le traitement du rhume, de la sinusite, des affections allergiques pulmonaires et bronchiques, telles que le rhume des foins et l'asthme. Comme l'herbe a également des propriétés antiseptiques, elle peut être utilisée comme remède contre le mal de gorge, l'amygdalite et la toux. 5. Renforcement immunitaire. Les feuilles de plantain sont riches en vitamines A et C, stimulant le système immunitaire, et la teneur élevée en tanins confère des propriétés astringentes qui réduisent l'inflammation et combattent l'infection en privant les bactéries de nutriments. L'un des ingrédients actifs les moins connus du plantain est le composé plantamajoside. Il a une structure moléculaire similaire à l'ingrédient actif de l'échinacée, l'échinacoside, et il a été démontré qu'il a une action similaire dans la modulation de la réponse immunitaire. 6. Riche en nutriments. En plus de bénéficier à votre système immunitaire, le plantain est également l'un des meilleurs aliments d'urgence. Parce qu'elles sont denses en nutriments, faciles à récolter et prolifiques, les feuilles de plantain peuvent être utilisées comme source de nourriture et appréciées dans de nombreux plats différents. 7. Santé de la peau. Appliqué localement, le plantain est un excellent vulnéraire pour les plaies, avec le pouvoir d'arrêter les saignements et de guérir les ecchymoses, y compris les plaies perforantes, les piqûres d'insectes, les piqûres d'abeilles, de guêpes et d'orties, les furoncles et les ulcères. Lors du traitement des coupures et autres plaies ouvertes, non seulement il arrête le saignement, mais il prévient également l'infection en tant qu'antiseptique. Le plantain extrait les poisons et cette même action de tirage le rend très efficace pour éliminer les éclats et pour réduire les cloques. Enfin, cette herbe polyvalente contient un composé connu sous le nom d'allantoïne, un puissant agent apaisant pour la peau qui favorise la croissance cellulaire. Le plantain peut être utilisé pour soulager naturellement les coups de soleil, pour traiter l'acné et la rosacée et pour garder une peau saine, éclatante et sans imperfection. Utilisez un cataplasme de plantain comme masque facial pour un nettoyage en profondeur. Et utilisez du thé au plantain refroidi comme tonique pour le visage matin et soir. 8. Élimine les toxines. La feuille de plantain est unique parmi les herbes en raison de sa capacité à extraire les toxines de votre peau et de votre corps. Elle était autrefois utilisée pour extraire le venin des morsures de serpents et d'autres morsures d'animaux et d'insectes. Son action attirante peut aussi être très efficace sur les piqûres, qu'elles soient d'insectes ou de plantes comme l'ortie piquante. Lorsqu'elle est prise en interne, la feuille de plantain a des avantages similaires en éliminant la toxicité de votre corps. Elle est considérée comme un purificateur de sang et stimule votre foie pour éliminer les toxines de votre sang et de votre corps. 9. Apaise les yeux irrités. Le plantain est efficace dans le traitement de nombreuses maladies oculaires, notamment les maladies de la choroïde oculaire, la cécité diurne, la conjonctivite et les plaies oculaires. Le jus de feuilles a été utilisé sous forme de gouttes avec d'autres herbes ou indépendamment, en plus de la forme orale.
Le thé de plantain, refroidi, peut être utilisé comme collyre pour les yeux rouges, irrités ou fatigués. Des cotons imbibés de thé peuvent également être placés sur les yeux fermés pour apaiser les irritations. 10. Traite les brûlures. Le plantain peut être très bénéfique pour guérir rapidement les brûlures superficielles. Le plantain aide à prévenir les infections, à réduire l'inflammation et à soulager l'inconfort de la brûlure. Les brûlures légères, bien que non graves, peuvent être très douloureuses et peuvent prendre un certain temps à guérir. Utilisez un cataplasme de plantain sur la brûlure pendant les premières heures, puis appliquez régulièrement une pommade au plantain. Vous pouvez également utiliser des feuilles de plantain comme pansement sur la pommade. 11. Apaise les hémorroïdes. Les qualités astringentes du plantain aident à réduire les hémorroïdes, tandis que ses propriétés anti-inflammatoires, rafraîchissantes et analgésiques apportent un soulagement apaisant et analgésique. Appliquez un cataplasme de plantain sur les hémorroïdes externes, laissez agir aussi longtemps que possible et retirez-le avant que le cataplasme ne sèche. Utilisez des boules de coton imbibées de thé de plantain tiède pour tamponner les hémorroïdes entre les traitements en cataplasme. Vous pouvez également boire plusieurs tasses de thé de plantain par jour pour aider avec les hémorroïdes internes et pour ajouter à votre traitement des hémorroïdes externes. 12. Traiter un ulcère de la bouche. Tiède, la tisane de plantain peut être utilisée comme bain de bouche pour soigner les aphtes. Vous pouvez mâcher des feuilles de plantain fraîches pour libérer le jus, puis déplacer les feuilles mâchées vers la partie de votre bouche affectée par l'ulcère. Les gencives qui saignent sont une autre condition qui bénéficiera d'un rince-bouche au thé de plantain. Les propriétés hémostatiques et astringentes arrêtent les saignements, tandis que les actions anti-inflammatoires réduisent l'enflure et que les constituants antimicrobiens combattent les bactéries. La racine de plantain en poudre est un remède traditionnel contre les maux de dents. Prenez une pincée de poudre et frottez-la sur les gencives et sur la dent ou les dents affectées. Et voilà, ce sera tout pour le plantain. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci d'avance pour tous vos likes, partages et commentaires. Un grand merci si vous venez tout juste de rejoindre ma chaîne. On se retrouve très prochainement pour plus de vidéos et d'infos. Continuez à faire de votre santé votre priorité. À bientôt !